Alors, voilà un magnifique spécimen d'églantier, bien charnu. Et voilà les fameuses baies pleines de vitamines. Alors, la recette de confiture d'églantier que je vais vous proposer est une recette que je n'ai pas prise sur internet, qui m'a été transmise par une personne qui a plus de 90 ans. Et je l'ai juste adapté pour aller plus vite dans notre monde moderne grâce au Thermomix. Donc je vais prendre ma cueillette et je vais la mettre dans le Thermomix. Voilà, je vais juste donner quelques petits coups de turbo pour entailler les baies. Voilà, je vais les verser dans un récipient qui pourra rentrer dans mon frigo. Je couvre à moitié de vin blanc. Mettre au frigo pendant 6 jours en remuant tous les jours. Voilà, une semaine plus tard, je vais mettre 60 minutes à 70, vitesse 2. Voilà le résultat, une heure après, et j'ai fini la bouteille de Chablis à l'intérieur. Passage au chinois. Voilà, j'ai obtenu 1 kg de purée et je vais rajouter 800 g de sucre. C'est parti pour 20 minutes à 70 vitesse 4. Et voilà le résultat. Alors, elle est comment la confiture? Un peu gluant mais appétissant, mais sinon elle est bonne.